Bonsoir Florent Pagny. Ça va bien? Bienvenue. Eh, ça va merci. Super bien. Bah oui, moi aussi. Marseille, vous connaissez? Et comment? Racontez-nous, alors c'est quoi vos attaches ici? Oh bah Marseille, c'est le public le plus chaud des tournées. C'est vrai? Oui, oui. Ça se partage toujours entre le nord et le sud. Donc les deux extrêmes. Lille et Marseille. L'avantage de Marseille, c'est qu'il y a le soleil, alors c'est plus chaud. Et cette chaleur légendaire, enfin légendaire, même pas, véridique. Non, non, véridique, oui, oui. Ouais. Enfin, légendaire parce que ça fait longtemps que ça dure. Alors, qu'est-ce que vous allez nous préparer comme show ce soir avec tous ces autres artistes que vous connaissez bien d'ailleurs? Oh, vous savez, on est tous dans un mini-concert, c'est un concert compilation, mais voilà, on est tous avec 5 titres. Moi, j'ai le nouvel album, donc j'ai 3 titres du nouvel album, plus ce qu'on appelle des gold, donc on fera Un jour une femme et Châtelet-Léal. Mais bon, c'est l'avantage de faire justement un petit concert concentré et tout est bien organisé, alors t'as juste à venir et chanter. Est-ce que vous avez croisé Chico et les Gypsies par exemple? Pas encore. Ah, mais vous avez travaillé avec eux il y a pas oui, très longtemps. Oui, bien sûr, ouais, j'ai fait un duo sur Joby Joba, j'ai réalisé à quel point c'était difficile de chanter dans leur répertoire et dans leur registre, et puis c'est des ténors à l'arraché, tu vois, donc ça envoie mais super là-haut, quoi, donc j'ai souffert. Et alors ce nouvel album Vieillir avec toi, dont France Bleu est partenaire? Et comment? Bah, ça se passe très bien, j'ai vu les ventes de disques là. Ça se passe très très bien, on est très content. Mais bon, il y a un bon disque, Calogero m'a fait un très bon disque, il m'a amené 10 chansons. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça s'est passé? Il a tout fait, il a amené les chansons clés en main, il s'en est occupé tout seul, il a réalisé l'album. Je suis juste venu chanter et m'approprier tout ça parce que de toute façon, il y avait 3 paramètres. Hein. Il faut que ça soit pour ma voix, il faut que ce soit pour ma personnalité, donc que je pense bien et que je puisse exprimer les sujets. Puis il faut que ce soit pour mon âge, j'ai 52, il y a un peu de bilan à pouvoir faire à travers un disque. Et c'est ce qui ressort le plus de cet album, ce qui fait que... Et puis comme ça, je chante plus doucement, un peu plus agréablement. Je ne suis pas là à brailler tout le temps comme avant. Alors vous parliez, j'allais dire... De votre âge, mais non. Mais là, c'est le concert des 30 ans de France Bleu. Non, mais moi, à 52, c'est sur mon passeport, c'est pas dans ma tête, oui. Exactement. Et c'est le concert des 30 ans de France Bleu Provence. J'ai donc fait les comptes. Ah, bah, je suis plus jeune que France Bleu Provence. Vous aviez 22 ans en 83 quand la radio est née. Et possible, oui. Où est-ce que vous étiez en 83, du coup? En 83, j'étais déjà à Paris. Bah oui. Vous avez quitté votre Bourgogne natale? Oh, moi j'ai quitté ma Bourgogne à 10-11 ans, je suis arrivé en Haute-Savoie, j'ai quitté ma Haute-Savoie à 15 ans et demi, je suis monté à la capitale et c'était à 22 l'époque ans, du cinéma? Bien sûr, ouais, j'étais Force en train de tourner. Ouais, peut-être, ouais, ça peut correspondre à ces dates-là. J'ai pas la mémoire de tout ça, mais ça peut être ça, ouais. Bon, là, votre actualité, c'est donc ce nouvel album, Vieillir avec toi, The Voice qui reprend prochainement. Oui, ouais, on a attaqué les auditions à l'aveugle et donc là, on prépare les battles, c'est super, et ça chante toujours très très bien. Et puis donc ce concert des talents France Bleu ici au Dôme de Marseille. Et je dois vous dire un petit quelque chose, c'est que sur France Bleu Provence, on a une émission le dimanche après-midi qui s'appelle le Hit Parade, où il y a une liste d'une trentaine de chansons qui sont soumises au vote. Un nouveau genre. Ouais. Voilà. Et depuis 3-4 semaines, c'est vous, avec Vieillir avec toi, qui êtes numéro 1. Ah, merci. Et ça continue. Voilà. Trop fort. Donc remercie les auditeurs de France Bleu Provence. Merci, merci beaucoup. À ce soir, Florent. À ce soir, avec plaisir. Merci d'être passé nous voir. Allez, ciao.